Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice, je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode, surgissant du désert, gémissant pour son salut? Patriarche d'Alexandrie. Kisra, empereur de Perse, Mahomet adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut. Embrasse l'islam. Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller? Mahomet, messager de Dieu? Qui lui a conféré cette autorité? Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Ans après la mort du Christ, alors que l'Europe s'enfonce dans le Moyen-Âge et que les anciennes civilisations s'éteignent irrémédiablement, Mahomet naît à la Mecque, en Arabie. La Mecque est une ville prospère, commerçante, dirigée par des marchands dont l'opulence s'est multipliée grâce à un privilège exceptionnel, ils abritent les dieux. Chaque année, à l'époque de la Grande Foire,
les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux sous la protection de la Kaaba. Autrefois mausolée sacrée d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie et n'abrite pas moins de 360 dieux différents. La Mecque, en l'an 610 après Jésus-Christ. Connais les résultats du jour, Maya? Pas encore, mais cette année, les dieux sont en or. Et quand on confond les dieux et les bénéfices, on s'en trouve d'autant plus comblé, c'est bien ça. Et d'autant qu'il n'y aura plus de dieux qui s'abriteront dans la Kaaba. La caravane qui vient de Syrie. Ils ont fait un long trajet, ils doivent être assoiffés. Place 5 hommes de plus autour du puits Nord. Et combien de moutons va-t-on tuer en leur honneur? 70? Disons plutôt 100. La Mecque est justement célèbre pour son hospitalité. Et 10 agneaux pour leur chef. De l'eau et du pain dur attendent le poète qui se présente à la porte d'Hakim. Et s'il vient à protester, d'un seul geste, il sera définitivement rassasié. Et le pain entre ces murs, je le jure, est plus fluide encore que l'eau. Ah, je vous en prie, faites place, faites place, faites place, adorateur de la poésie. À Abou Sofiane, bienveillant et riche, protecteur des arts. Quand Abou Sofiane convie le poète chez lui, alors éclate la joie et s'éteint tout l'ennui. Quand les vins et les gâteaux abondent, alors l'imagination est féconde. Chants et danses sont plaisir de roi quand Abou Sofiane invite le poète sous son toit. De la pure soie en provenance directe de Chine. Un plaisir pour la peau. Et comme sa seigneurie le constate, un ravissement pour les yeux. Oui, j'en veux 7. Ça fera 20 dinars. Même pour la femme de Abou Sofian. Ça fera 15. Les dieux de la Kaaba ont certaines exigences qui nous obligent à certaines dépenses. Qui est cet homme qui se tient là, qui scrute mon âme? Éloignez-moi vite de cet endroit. Pourquoi faut-il que Mahomet descende jusqu'ici? Pourquoi ne pas l'empêcher? Allons, c'est ton neveu. Peut-être qu'il va changer. Changer. Il vient d'avoir 40 ans. Reconnaître que c'est anormal? Avec une femme riche, il pourrait s'offrir ce qu'il y a de mieux à la Mecque. Pourtant, il préfère grelotter au fond d'une grotte. Je te dis que c'est anormal. Comment un homme peut-il défier la colère d'Alouza, qui protège notre santé? Manat, la déesse de la prospérité.
Allat, le dieu de notre famille et des tribus. Et Obal, Obal, qui guide nos caravanes et influence notre destin. Oser défier les dieux sous l'oreille des dieux, c'est très dangereux. Pas raisonnable. Une rébellion, et c'est blasphématoire. Oui. J'ai peur que Mahomet ne finisse par se porter grand tort. J'éprouve toujours une certaine nostalgie à la fin de la grande foire. Je n'assisterai peut-être pas à la prochaine. Abou Talib ! Abou Talib ! Allons, Zaïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira ? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors, c'est qu'il est toujours sur la montagne. 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener. On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. Mahomet, lis. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Il est toujours tremblant sous son manteau. Mais il a parlé. Zaïd, pourquoi est-il ainsi? Que s'est-il passé là-haut? Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit, « Lis. » Mahomet a répondu, « Je ne sais pas lire. » Et l'ange, de nouveau, lui a dit, « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. » Qui sait si c'était Gabriel ou s'il ne s'agit que d'un rêve? Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. « Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. » À qui d'autre a-t-il parlé de ceci? À sa femme. Et à Ali. Et à son ami, Abou Bar. Et à toi? Je suis son fils adoptif, tu le sais. Prends garde à qui tu vas t'adresser. Dis-lui que son oncle, qui l'a protégé si souvent par le passé, le protégera de son mieux. Après tout, on dit que le dieu de Moïse lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson. «
Si tu es incapable de raisonner ton neveu, nous interviendrons. Il divise la cité, case contre demeure. Il divise les générations, enfants contre parents. Les jeunes l'écoutent. Il fascine la jeunesse. Nous sommes arabes. Nous obéissons à nos pères, et nos enfants ne sauraient nous donner la leçon. Comment admettre que celui que l'on croisait hier encore dans la rue se révèle être un prophète aujourd'hui? Les morts peuvent se relever un jour, raconte-t-il, parce que celui qui a créé l'homme détient aussi le pouvoir de le faire renaître après qu'il soit mort, dit-il. Les dieux pourraient nous abandonner et faire prospérer une autre cité. Dis-lui que nous acceptons de lui offrir autorité, position, les clés de la Kaaba et l'argent, tout l'argent qu'il souhaitera. Dis-lui que nous lui donnerons tout ce qu'il réclamera. Mahomet, ménage-toi et ménage-moi. Tu ne dois pas alourdir le fardeau qu'un vieil homme pourrait supporter. Dans ton enfance, tu t'es souvent réfugié dans mes bras. Je ne saurais te voir souffrir aujourd'hui. Si tu refuses de les suivre, ils te feront souffrir. Voilà ce qu'il a répondu. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne pourrais renoncer à mon message, car il me vient de Dieu. Après ma mort, tu feras ce qu'il te plaira. Mais tant que je vivrai, tu obéiras à ton père. Tu ne vois pas que ton père souffre. Si j'étais ivre tous les jours, et si je jouais au dé toutes les nuits, tu dirais que je sais apprécier la vie. Tu serais bien plus mon frère que dans cet état. Vous êtes mes enfants, les uns et les autres. Je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir. Mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Mahomet me donne bien plus encore. Il donnera bien plus encore au monde entier. Chasse-le de cette maison, père. Il ne s'agit pas de Walid ni de moi, il s'agit de notre père. Tu fais souffrir notre père. Attends, Oudaïfa, attends! Comment peuvent-ils dire que c'est une invention, Massab, alors que ce n'est pas nouveau? À la Mecque, c'est nouveau. Pourtant, Dieu l'a déjà dit auparavant. À Noé, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes. Mais les hommes ont tout déformé, détourné, et puis oublié. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à Mahomet de nouveau. Et c'est encore nouveau pour tous. Qui est là? C'est Jafar. Qu'est-ce que tu apportes? Je vous apporte la parole de Dieu. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles tomberont, lorsque les montagnes seront ébranlées, lorsque les chamelles seront abandonnées, lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les mers bouillonneront, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la petite fille qui est enterrée vivante s'interrogera sur le crime qu'elle a commis pour être tuée, lorsque le paradis sera rapproché, lorsque le ciel sera tiré, alors toute âme saura
enfin ce qu'elle aura accompli. Mais toi, tu étais là, Jafar, quand Dieu lui a transmis ses paroles? L'aube se lève, il faut partir. Amar, sors le premier. Toi ensuite, Jafar. Amar, ta mère a été morte d'inquiétude toute la nuit. Oh, je regrette sincèrement. Où est-ce que tu étais? Tu étais encore avec Mahomet. Mais qu'allons-nous devenir? Pardonne-moi, tout est ma faute, mon fils. Ce Dieu nous a protégés pendant toute notre vie. Pourtant, il est tombé. Il n'est pas capable de se protéger lui-même. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu te raconter encore? Le vrai Dieu est invisible. Il n'est pas fait d'argile. Amar, nous voyons les dieux dans la Kaaba tous les jours. Je redoute le pire pour toi. Tu écoutes des paroles qui finiront par te nuire. Je ne fais qu'écouter Mahomet, personne d'autre. Mahomet est généreux. C'est vrai, il partage, il donne. Jamais il ne croisera quelqu'un sans lui sourire. Mais il répand des idées très dangereuses. Des idées dangereuses? Nul ne doit mourir de faim. Le riche ne doit pas frustrer le pauvre. Le fort ne doit pas opprimer le faible. Ce sont des idées dangereuses. La fille ne devrait pas être contrainte au mariage, mais avoir la possibilité de choisir ou de refuser. Et cette nuit, il vient de dire... N'enterrez plus vivants les bébés de sexe féminin. J'ai eu bien de la chance. J'ai toujours eu de la chance avec ta mère. Oui. Mais tu sais que nous aurions très bien pu ne jamais nous connaître. Et tu as failli ne jamais venir au monde. Je devais être enterrée moi aussi. Tout comme mes deux sœurs. Mais mon père n'a pas eu la force. Il aurait dû le faire pour la troisième fois. Comme il avait enterré sa deuxième fille. Quand mon père a commencé à la recouvrir de sable, elle lui a attrapé le pouce comme le font tous les bébés du monde. Beaucoup plus tard, il a avoué à ma mère qu'il s'était écoulé une minute avant que les doigts de la pauvre petite main se relâchent. Et qu'il ose enfin retirer la sienne. Quand je suis venue au monde, mon père est sorti de la maison hurlant qu'il n'avait pas la force de recommencer, qu'il n'aurait jamais la force de recommencer. Somaya, c'est notre coutume. C'est mal. Les dieux qui tolèrent ces atrocités ne sont pas des dieux. J'ai promis d'aller chez Mahomet ce matin. Nous prions là-bas. Oui. C'est un homme bon. Oui. Oui, tu peux y aller. Thank you.
lit. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Qu'est-ce que tu as dit? Lui, il parle. Mais toi aussi, et tu vas nous le prouver immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, Mahomet? Je t'écoute. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu? Quelle parole? Un Dieu qui parlerait. Allons. Ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Toi, tu veux le frapper pour son impertinence. Allons, à quoi cela avancerait-il? Est-ce que Mahomet se rend compte? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique, que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici, sous mon toit, à Jérusalem, ou même sur la Lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre. On ne peut pas acheter et vendre Dieu. Prends garde, tu es de nouveau à deux doigts du fouet. Amar, montre-toi raisonnable. J'ai une question à poser. Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. C'est une idée bien séduisante pour les esclaves et les mendiants. Elle leur donne des prétentions. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la Mecque et son esclave. Prends ce fouet, non? Lacère son visage. Ses lèvres en retiendront peut-être la leçon. Frappe-le! Frappe-le, Bilal! Déchire-le! Frappe-le! Frappe-moi! Obéis à ces hommes, ou ils te tueront. Vous voyez, c'est l'anarchie qu'ils prônent. Ils corrompent même nos esclaves. Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Un seul Dieu. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Un seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu. Un seul. Apportez les pierres! Adieu. Allez-y. Écrasez-le. Ça lui apprendra. Alors, c'est fini? Il n'existe qu'un dieu, un seul. On jurait que cet esclave est en train de prêcher. Seigneur Omaya! Aboubar est prêt à verser 100 dinars pour cet esclave. Attends! Il est tout à fait contraire à nos règles sociales de vendre un esclave pendant sa correction. L'offre est faite au seigneur Omaya.
200 dinars. Si le prix des esclaves s'élève chaque jour. Dans un an, nous serons obligés de nous baigner seuls. Dieu. Tiens, emmène-le. Il ne m'est plus d'aucune utilité. Tu le prends, le, moi j'ai fini avec lui. Il faut nous révéler. Dieu a dit aux messagers de proclamer l'islam à tous les hommes. Ouvrons les fenêtres, que le monde nous entende. Nous émergeons du fond des ténèbres. Prenez conscience de la parole de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. Cette hérésie qu'il appelle l'islam apparaissent au grand jour afin de détrôner nos dieux et détruire notre religion. Il ne faut pas qu'ils atteignent la Kaaba. Il faut les repousser. Défendez vos dieux. Il existe d'autre dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il existe d'autre dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe plus autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Protégez le prophète. Il n'existe plus autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe plus autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe plus autre Dieu. Il est temps maintenant de les briser. Ils sont une trentaine à peine. Non. Nous en avons assez fait. Plus pour créer un élan de sympathie pour eux. Dieu est grand. Dieu est grand. Laissez les lances. Dieu est grand. Dieu est grand. De par le nom de Dieu, miséricordieux, tout compatissant, je dis, oh vous qui rejetez la foi, je n'adorerai jamais ce que vous adorez vous-même. Laissez-moi violer la Kaaba. Vous n'adorerez pas ce que j'adore moi-même. Faites taire ce faux prophète. Tuez-le. Protégez le prophète. Oui, protégez-le des piques des gardes. Placez-vous tous dans le coin.
es un brave. C'est le plus brave des braves du désert, à condition que son adversaire soit désarmé. Mahomet est un menteur. Menteur. Tu ne le laisses pas parler. Où est la vérité, où est le mensonge, alors qu'il n'a pu s'expliquer? Mahomet est un imposteur. Allez, debout, et viens me frapper si tu l'oses. Je suis pour la religion de mon neveu, et je dis ce qu'il dit. Que celui qui a le courage de se batte avec moi. Mahomet, quand je chasse la nuit dans le désert, je sais que Dieu ne se cantonne pas sous un toit. Qui aurait pu imaginer que Hamza, bien plus que d'autres, avec son penchant pour la boisson, le chasseur de lions, finirait par rejoindre Mahomet? Oui, plus nous attaquons Mahomet, et plus il semble le rejoindre. Mais où a-t-il été chercher toutes ces paroles? Je n'en sais rien. Comment un être illettré peut-il grimper dans la montagne et reparaître 3 jours plus tard baigné de poésie? S'il ne s'agissait que de poésie. Il dit que c'est Dieu. Comment pouvons-nous combattre un être dont nous ne comprenons pas la force? Mahomet promet le paradis, des arbres dans les cieux. Alors, il est normal qu'il trouve une audience. Il nous faut nous empresser de rendre cette audience moins apte à l'écoute. Nous pouvons déjà commencer par les plus faibles. À ton tour! Qui est ton Dieu? Réponds-le! Dis-le! C'est Obal qui est ton Dieu! Dis-le! Il n'y a qu'un Dieu unique. Et Mahomet, le messager de Dieu.
Et ta mère sont les premiers martyrs de l'islam. Ils sont promis au paradis. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à souffrir ? Le prophète a dit qu'il fallait quitter la Mecque. Si vous restez, ils vous assassineront. Un par un. Mahomet dit qu'en Abyssinie, il règne un roi chrétien. Tout homme est libre de sa pensée dans son pays. Il faut partir aujourd'hui. Tout de suite. Regardez là-bas. Sois loué. Allez, en route. Nous avons repéré leurs traces et nous les avons suivies. Mais ils ont disparu. Alors ils étaient là, dans le désert, sous les vautours.
Et ils ont quand même pu t'échapper. Échapper? Ils ont disparu. Mahomet est resté. Seuls les faibles sont partis. Faibles ou forts, ils ternissent notre nom. Nous sommes des marchands honnêtes. Nous achetons et nous vendons de bonne foi. Nous ne pouvons pas nous permettre de scandale. L'Abyssinie. Amre, tu es un ami du roi Anayasi. Oui. Tu pourrais te servir de cette amitié. Je crois pouvoir les ramener ici. Oui. L'Abyssinie. Relève-toi, mon ami. Tu sais qu'il n'y a rien que je puisse te refuser. Dis-moi l'objet de ta visite. Lion de Juda, je ne sais par quoi commencer. Tu es assuré de notre amitié. Commence par là. Un certain nombre d'esclaves en fuite sont parvenus à se réfugier dans ton royaume. Les esclaves te seront ramenés, car je sais que tu ne manquerais pas de nous renvoyer les nôtres. Il y a toutefois une poignée d'hommes libres avec eux, des rebelles. Des rebelles? S'il y a quelques troubles en Arabie, pourquoi ne pas m'avoir averti? Ce sont des rebelles à notre religion. À un moment ou à un autre, toute religion s'est trouvée en rébellion. Les corps des esclaves sont universels et seront à votre disposition. Mais comme Jésus-Christ est notre berger, les âmes des hommes sont ses brebis. Ce sont des Arabes qui ont osé trahir la religion de leurs ancêtres. Ils suivent une espèce de fou qu'ils appellent un prophète. Mais je n'ai pas le droit d'enchaîner des êtres sans les avoir entendus. Cette raideur va leur valoir la corde. Vous ne vous prosternez pas devant votre prophète? Mahomet est un homme. On ne s'incline que devant Dieu. Où sont les miracles de Mahomet, Jafar? Si c'est bien un prophète, il doit pouvoir embraser le ciel de toutes sortes de miracles. C'est juste, en vérité. Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyer au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable. Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit, allez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée, leur insubordination... Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi? Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique comme nous. Il nous a envoyés parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec ces hommes, c'est puiser l'eau d'un mirage. Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami. Continue. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant du bois et de la terre, des images nées de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu. Nous obéissions à des lois terrestres et non à des lois divines. Le riche ignore le pauvre. Et la bonté naturelle de l'homme, qui le pousse à relever son prochain quand il vient à tomber, est considérée par eux comme un geste qui trouble l'ordre social. À cause de cette inhumanité, est apparu un homme que Dieu a choisi.
Et en cela, nous croyons de toutes nos forces. Tu t'emportes. Je te prie de reprendre tes esprits. Je parle du messager de Dieu. Mahomet nous enseigne d'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire la charité. Un simple sourire est peut-être déjà un geste de charité. De défendre la femme contre les abus, de protéger l'orphelin et de nous éloigner des dieux de bois et de terre. Je refuse de supporter plus longtemps de tels blasphèmes. Nous sommes une civilisation très ancienne. Dire que nos dieux ne sont que du bois et de la terre, c'est en parler en complète ignorance. L'idole, la forme, nous ne la vénérons pas. Nous vénérons l'esprit qui est évoqué par leur forme. Je te concède que l'idolâtrie a souvent été mal interprétée au cours des âges. Merci. Et maintenant, revenons-en à ce qu'il dit des femmes. Dieu a bien créé la femme pour devenir la compagne de l'homme. Elle est différente, mais notre égale. Notre égale ? Nous nous payons des femmes. Nous les nourrissons, nous les habillons, nous les utilisons, nous les congédions. Les femmes, nos égales ? Quand Dieu a créé l'homme, il a conçu un mâle et une femelle. Amr, je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Pourquoi tes 300 dieux ont-ils la langue si liée, alors qu'un dieu unique a une telle éloquence? Dieu nous a déjà parlé par le passé, en s'adressant à Abraham, à Noé, à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi être surpris quand Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Mahomet? Qui t'a appris ces noms? Ils sont tous mentionnés dans le Coran. J'ai connu Mahomet à l'époque où il gardait ses moutons. Et nous savons que le Christ était charpentier. Les paroles du Christ et les paroles de Mahomet sont semblables aux deux rayons d'une même lampe. Ils te mentent. Ils renient le Christ. Toi-même, tu adores trois dieux, dit-on. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'as-tu à dire du Christ? Ils disent que Dieu ne peut avoir de fils. Le Christ n'est pas le fils de Dieu. Parle-moi du Christ. Eh bien, nous disons du Christ ce que le prophète nous a enseigné. Dieu a insufflé le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge appelée Marie qui a conçu le Christ, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, tu as entendu, et pas le fils. Et ton miracle, ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux citer les paroles? Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, raconte dans le livre l'histoire de Marie, quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient. Comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit: je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. Elle lui demanda: comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et Gabriel lui répondit: car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. L'affaire est décidée. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour. Ceci est intolérable.
Mahomet va jusqu'à mettre en péril nos alliances étrangères. Parfait. Nous allons en faire un étranger. Abou Talib persiste à le protéger. Parfait. Nous allons jeter l'oncle et le neveu hors du pays. Dans le même paquet, toute sa famille dehors. Nous allons les expulser de notre communauté. Nul marchand ne devra faire commerce avec eux. Nulle terre ne devra leur appartenir. Nul toit ne devra les abriter. Nul boulanger ne cuira leur pain. Nulle femme ne les épousera jusqu'à ce qu'ils abjurent, qu'ils se rétractent. De la ville. Alors ont commencé les plus pénibles années de la vie de Mahomet. Pendant 3 ans, ils ont souffert de la faim, de la soif, de la cruauté du désert brûlant. Pourtant, le pire était encore en devenir. Ainsi, Khadija, qui fut la femme de Mahomet pendant 24 ans, mourut. Puis Abou Talib, son protecteur de toujours, s'éteignit à son tour. Jusqu'à son dernier souffle, Abou Talib avait tenté de réconcilier la Mecque et Mahomet. Il n'a jamais exigé beaucoup de votre part. Qu'un seul mot. Un seul. Un Dieu unique. S'il ne s'était agi que de mots, nous aurions pu lui en donner des dizaines. Mais le mot qu'il voulait aurait jeté bas tous nos dieux. Vous étiez même effrayé de l'entendre. La mort de son oncle laissait Mahomet sans protecteur. Il n'était plus en sécurité à la Mecque. Seul, avec Zayd, son fils adoptif, il partit pour Taïf, une ville accrochée à flanc de colline. Il y demanda asile et l'autorisation de prêcher. Mais les enfants de Taïf furent chargés de le chasser dans le désert à coups de pierre. Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Non, arrêtez ! Laissez-le ! Allez, bougeons ! Vous êtes prêts ? Non, arrêtez ! Mais vous êtes fous ! Protégez le prophète ! Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche, mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Attendez. Si nous prenons cet engagement, nous nous mettrons en marge du reste de l'Arabie. Alors attendons. La guerre engendrera la guerre. Nos frères seront nos ennemis les plus acharnés. Nos dieux ne seront plus qu'un tas de cendres. Voilà où cet engagement ne peut qu'aboutir. Si nous le prenons, nous ne pourrons revenir sur nos pas. Car Mahomet est en effet le messager de Dieu qui nous a été annoncé par les Juifs de notre cité. Si l'un de vous a des doutes sur l'opportunité de cet engagement, qu'il s'en aille. Mais si vous n'avez aucun doute,
Alors vous ferez ce que je fais. Je me soumets pleinement à un Dieu unique et à toi, Mahomet, le messager de Dieu. Il nous appartient et nous lui appartenons. Qu'il amène avec lui tous nos frères, ses compagnons, chez nous, ici à Médine. A bouleversé le monde. L'Égir, ou la fuite vers Médine. Ils n'étaient que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles. On lui a remis une cité, on lui jure soumission, on conclut des traités, et toi, Saloul, qui te proclame roi de Médine, tu as perdu ton trône pendant que tu dormais. Tu ferais bien de penser d'abord à toi, Abou Sofiane. Chaque fois que tu vendras l'effluve d'un parfum aux marchands de Syrie, il te faudra ramper devant cet homme, à Médine. Il est en travers de la gorge du commerce de ta cité, si tu m'autorises cette image. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? J'ai l'intention de patienter. Combien de temps vas-tu patienter? Jusqu'au jour où tu le renverseras avec les tribus d'Arabie. Pour sauver notre façon de vivre. Et en attendant ce jour? Oh, je vais accepter cet engagement, bien entendu. Est-ce qu'il croit que je vais abandonner mon droit du sang? Je m'y refuse. Médine vaut bien une conversion. Quelle hypocrisie. Disons que c'est de l'hypocrisie lucrative. Le roi Saloul se frappant le front sur le sol 5 fois par jour pour prier. Je n'arrive pas à le croire. Nous pourrions le lui éviter. Il va falloir faire ce qu'il fallait faire plus tôt. Tuer Mahomet. Venez, on prétend que la perfection naît de la pratique. Sept jeunes gens habiles, chacun appartenant à une famille différente, mon propre fils Grima étant parmi eux, iront le transpercer. Si la responsabilité de sa mort est partagée, comment savoir qui châtier? Voilà mon idée. Je ne suis pas sûr de vouloir l'appliquer. Le corps de Mahomet représente bien trop. Son esprit, ses paroles. Mais ce serait une solution ingénieuse. Et elle serait définitive.
Ali, son cousin, était étendu là pour mourir à sa place. Contre qui nous battons? Il ne pourra aller loin. Toutes les pistes sont surveillées. Il n'a pu se diriger que vers le désert. La Mecque est prête à offrir jusqu'à 100 chameaux à celui qui ramènera Mahomet. Ou sa tête. Ils sont trois. Mahomet, Aboupar et Ourigat, le bédouin qui les guide. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas fait brouter leurs chameaux. Ils ont mangé des dattes. Ils sont bien de la ville. Pourquoi es-tu venu là? Médine se trouve au nord. Ils font les traces. Pas moi. Les nomades voyagent vers l'ouest? Je connais mon art. C'est vrai. On prétend que tu es capable de suivre un oiseau en humant les airs. Les suivants. Il pourrait se trouver dans cette grotte là-bas. Mahomet, sors de ton plein gré et tu rentreras à la Mecque vivant. Mahomet, montre-toi. Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'auraient pas construit leur nid. Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Quelques fils d'une toile d'araignée, c'est tout ce qui séparait Mahomet de ses meurtriers. Mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le bédouin les guida, son compagnon Aboubakr et lui, pendant leur évasion, dans l'interminable traversée du désert, sous la chaleur torride des journées de juin. À Médine, ses fidèles étaient prêts à l'accueillir. Mais ils redoutaient les pièges de ce voyage. Toujours rien? Non, rien. Il l'a dit lui-même, il n'est qu'un homme. Aucun homme ne survit dans cette chaleur. Que je ne sois pas obligé de te libérer en son honneur.
bienvenue dans la cité de Médine la Bénie. Ta cité, messager de Dieu. Tu vas habiter sous mon toit, messager de Dieu. Je possède la plus belle demeure de Médine. Tu me feras un grand honneur en la partageant. Je t'offre mon toit! Silence! Silence! Comment le prophète pourrait-il bien choisir parmi tant de sollicitudes? Que Dieu guide les pas de sa chamelle, et où elle s'arrêtera, nous bâtirons une demeure. Libérons Kesva, la chamelle du prophète, et l'endroit où s'arrêtera Kesva deviendra la demeure du prophète. Ce n'est pas bête. Le choix fait par une chamelle n'offensera personne. Ici, nous allons bâtir la maison du prophète. Et aussi notre premier lieu de réunion où nous pourrons prier. La première mosquée de l'islam, ici. Des briques. Donne-moi ça. Allons, tu en as déjà bien trop fait. Allez, va t'asseoir. Je m'en charge. Regarde-le, il recommence. Le travail est adoration, dit-il. Il a quand même 53 ans. Et toi, tu as quel âge?
mais quelque chose manque. Peut-être une cloche afin d'appeler les fidèles. Une cloche, comme les chrétiens? Et pourquoi pas une corne, comme les juifs? Un tambour. Hein? Le tambour évoque trop le sang et les armes. Et pourquoi pas la voix humaine, comme l'annonce faite à Amrabel el-Khattab? Si le prophète t'en convient. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Tu as une bonne voix, utilise-la. Grimpe là-haut. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Frères, aujourd'hui, un homme de Médine va embrasser un homme de la Mecque. Chacun d'eux devra partager ses biens. Rapprochez-vous. Étreignez votre voisin comme un frère. J'en ai assez d'embrasser tous ces esclaves. Lisa. Les prophètes ne devraient s'intéresser qu'à l'au-delà. Où est mon fils? Il passe 100 ans le front sur le sol. Cela te brûle les doigts. Si je ne le détruis pas, cela embrasera nos maisons. Il proclame des lois comme un roi. Il a déclaré que la loyauté envers l'islam représentait plus que la loyauté envers la tribu ou la famille. Et ça, tous les musulmans sont frères de sang. Ne te laisse pas abuser par cette phrase. Il lui faudra bouleverser la nature des tribus avant d'en arriver là. Non, le danger est ici, égalité. Tu respecteras ton prochain comme toi-même. Et il est sincère, ce fou. Les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que les musulmans. Les juifs qui viennent se joindre à notre communauté doivent être protégés. La femme a droit à l'héritage. Elle a droit. Bientôt, il va donner des droits à nos chameaux. C'est déjà fait, l'illuminé leur en a donné, ne les chargez pas trop lourdement. Il va rebâtir la cité. Ma cité. Qu'il soit maudit. Il nous arrache même nos fils. Il arrache notre avenir. Sa justice. Chez nous est injustice. Cela suffit. Cette fois... Il ne s'agira pas seulement de sa racaille. Il faut confisquer tous les objets de valeur qu'ils ont laissés à la Mecque. Leurs tapis, leur argent, leurs étoffes. Et tous ces biens seront envoyés par caravane à Damas.
mes amis, écoutez-moi. J'apporte des nouvelles de la Mecque. Tout ce que vous avez possédé a été confisqué. On vous a volé. La boutique d'Aboubar, la demeure du prophète, sont vendues. La plus petite coupe, la moindre pièce d'étoffe, la guenille la plus misérable que vous possédiez, vendue au marché. Vous n'avez plus rien. Ne vous battrez-vous pas pour vos biens? Qui parle de se battre? Est-ce que vous avez le choix, Hamza? Quand le prophète dit « battez-vous », nous nous battons. Aujourd'hui, il dit « paix ». C'est vrai. Vous êtes un peuple qui aime la paix. Au point d'être étouffé par votre indulgence. Reprenez le travail. Il faut que nous défendions nos biens. Tu es le messager de Dieu. Mais ils nous humilient. Ils nous pillent, abusent de leur force et nous ne faisons rien. Nous ne pouvons nous comparer à cette armée de voleurs. Eux, ils sont guidés par l'intérêt. Nous sommes guidés par Dieu et par toi. Oh, je sais que tu rejettes le glaive. Mais il va falloir les combattre. Ils nous volent tout ce que nous possédons. Ils emportent nos biens à Damas, en passant sous nos fenêtres. Je te le dis de par le nom de Dieu, reprenons-les. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. C'est ce martèlement dans ma tête. Je t'en prie. Battons-nous. Regarde où est le soleil. Ce n'est pas l'heure de la prière? Cela vient d'être annoncé par Dieu à son messager. Battons-nous, mais battons-nous selon les voies du Seigneur contre ceux qui nous agressent. Chassons-les des lieux d'où ils nous ont chassés, car la persécution est le plus méprisable des crimes. Combattons ces hommes pour que la persécution n'existe plus, que la religion soit celle de Dieu. Mais s'ils doivent s'arrêter, nous devrons renoncer à la guerre. Car Dieu n'éprouve nul amour pour celui qui provoque la guerre. Combattons selon les voies de Dieu contre ceux qui nous combattent. Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand!
voici les impératifs que le prophète nous impose à tous. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. Bon. Maintenant, au puits de Bèdre. Des nouvelles de Médine ! Aux armes ! Prenez les armes ! Prenez les armes ! Défendez-vous bien ! Mahomet a quitté Médine pour attaquer la grande caravane. Combien d'hommes ? 300. Deux chevaux. Nous monterons 100 chevaux alors. Combien de chameaux ? 70. Nous en emmènerons 170. Et chargés 30 de mes chameaux du meilleur vin, nous festoirons en route. Voilà une guerre que je vais apprécier. Une guerre qu'on ne peut pas perdre. Rejoins la caravane d'Abou Sofiane et demande-lui de se diriger vers Bèdre. Il faut que toutes nos forces se rassemblent demain au puits de Bèdre. Les puits de Bèdre, ici. Mahomet et ses fidèles, là. Ma responsabilité, la caravane, ici. À un jour de marche. Les retrouver au puits. Ça ne me plaît pas. Il y a trop de biens de la Mecque dans ma caravane pour prendre ce risque. Éteignez les feux! Chargez les chameaux! Nous nous dirigeons vers l'ouest. Nous nous éloignons des puits. Tu t'éloignes? Ça n'a pas de sens. Il faut les retrouver à Bèdre. Nous pouvons les saigner comme des moutons. Si je marche toute la nuit, je peux me mettre hors de portée de Mahomet au matin. Où est ton honneur, Abou Sofiane ? Mon honneur. Mon honneur, il est placé sur le dos de mes chameaux. Oui, je fuis.
Mahomet vient d'occuper les puits. Il s'est placé exactement là où nous le souhaitions. L'illuminer. Abu Sofiane vient de lever le camp. Il fuit vers l'ouest, loin de Bèdre. La caravane est sauvée. Nous n'avons aucune raison de combattre. Ne pas combattre? Mais si nous combattons, nous allons répandre le sang entre frères de même race. Entre père et fils, c'est cela que tu veux dire? Oudefa, ton fils, est au milieu d'eux, et pour cela, il mérite le fouet. La Mecque doit être au-dessus de ta famille. Walid, ton fils cadet, est de ton sang? Il faut combattre. Il faut nous en tenir au présent. Laissons l'avenir se débrouiller lui-même. Otba n'a jamais été un lâche. Nous les exterminerons demain. Nous combattrons! C'est fini? Formez les colonnes! En arrière! Reculez! Reculez! Mahomet a comblé les puits. Maintenant, si nous voulons leur eau, il faut combattre. Nous n'avons pas le choix. Bien, nous combattrons. De par le nom de Dieu et de son messager. Attendons!
Faites avancer vos champions! Qui êtes-vous? Nous espérions nos pères et nos égaux. Revenez! Mon propre frère, Shaiba. Mon fils, Walid. Et moi-même. Pas toi. Ubaïda et moi. Et Ali. Sommes-nous tes égaux? Il n'est qu'un dieu unique, et Mahomet est son messager. En arrière!
Le prophète vous observe. Les prisonniers ne seront ni entravés ni emmenés. Mais ils nous ont entravés, eux. Détachez-les. Détachez les prisonniers. Donnez-leur de l'eau. Partagez vos provisions en parts égales. Et s'ils marchent, marchez avec eux. Tout prisonnier qui apprendra à lire à 10 musulmans pourra aller librement. Ils m'en veulent, et que la raison en soit bonne ou mauvaise. J'aurais dû me joindre à eux et me noyer au puits de Bèdre avec eux. J'ai sauvé la caravane et tout notre avenir. Mais pourquoi m'adressez-vous ces chants? Pourquoi me chanter le nom de mon père et celui de mon frère? Vous croyez que j'ai besoin de vous pour me le rappeler? Mahomet, Ali, Hamza. Avec mes ongles, Hamza, je te rendrai blessure pour blessure. Avec mes ongles, Hamza, assassin, écrocheur, boucher, bête malfaisante. Tu as égorgé mon père, Hamza. Je vais te chasser, toi, le grand chasseur. Tu chassais le lion, Hamza. Tu deviendras mon lion, ma proie. Et ensuite, quand tu seras mort, je t'arracherai le cœur. Et je boirai ton sang. Je te triperai. Je penserai. Je ne peux pas supporter ces plaintes. Cela ne peut pas continuer. Nous ferons ce que nous aurions dû faire. Nous allons rassembler nos alliés et lever une nouvelle armée contre ces hommes. Et cette fois, nous aurons tout préparé, tout prévu. Hamza. Hayya ala salah. Hayya. Y aurait-il eu la peste? Est-ce que tout le monde a abandonné cette ville précipitamment? On pourrait s'emplir les poches de jolie façon. Aucun marchand ne surveille son étal. Dieu surveille les étals. De quel pays viens-tu? Du Yémen. Ah. Es-tu passé par la Mecque? La Mecque est sur la route. Tu n'as pas répondu à ma question. As-tu fait étape à la Mecque? Le temps de faire reposer mes chameaux. Les chameaux se reposent mieux à la Mecque que dans toute autre partie du monde. Je sais. Que raconte-t-on dans le désert? Oh, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Ils se regroupent.
Chaque homme en âge de porter un glaive fait route vers la Mecque. Notre force est là. Ne les sous-estime pas. Ils s'arment de tout leur courage. À la Mecque, chaque maison résonne de musique et de danse. Je vais te libérer. Je t'offrirai ta taille en soie et ton poids en argent. Pour un seul jet de cette précision. Ils se décident enfin à venir. Bientôt, nous connaîtrons leur nombre. C'est une armée immense. 3000 hommes, des centaines de chevaux. Nous les avons battus à Bèdre. Cela fait déjà un an. Ils sont venus prendre leur revanche de Bèdre. Allez chercher vos glaives. Voilà Hamza. Tu le vois bien? C'est lui, ta fortune. Oubada,
Regarde les cavaliers à flanc de colline. Ils sont bizarrement placés. Ils sont sous les ordres de Khalid. Khalid? J'ai souvent pensé à ce jeune homme. Hamza! Qu'y a-t-il? Le prophète te demande si tu as remarqué les cavaliers. Je les ai remarqués. Ils m'inquiètent. Ils déplacent 50 archers pour les surveiller. Quoi qu'il se passe, les archers doivent repousser à tout prix les cavaliers. Zayd, dis au prophète que nous sommes prêts. Qu'en penses-tu, Hamza? Bien qu'ils soient plus nombreux, je crois que le combat est équitable. Nous les voyons. Ils nous voient. Ce que je peux apercevoir ne m'a jamais fait peur. Gloire au dieu Obal! Mahomet donnera le signal. Nous marcherons sur eux. Savourer la victoire. Et il s'enfuit. Prenons le butin. Ne quitte pas ta place, reste où tu es. Reprenez votre position. À vous, reprenez.
C'est une déroute. Notre centre s'est enfui. Nous avons perdu. Pas encore. Nous ai vu battu. Nous te devons la victoire, Khalid. On ne peut parler de victoire tant que nous n'aurons pas Mahomet. Il est là-haut, sur ces rochers. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Nous avons vengé Bedre. Mais on peut se débarrasser de lui et de l'islam à tout jamais. Il reste encore plusieurs fanatiques à ses côtés. Ils ont l'avantage de la montagne. Le risque est trop grand. Mahomet, écoute-moi! Un jour pour un jour! Le jour de Ohod pour le jour de Bedre. Nos morts ont répondu à tes morts. Nos morts sont au paradis. Vos morts sont en enfer. Hamza. Hamza. Est-ce que tu m'entends, Hamza? Est-ce que tu sais qui se trouve à tes côtés? Hind. Hind. Est-ce que tu peux te rappeler, Hamza? Toi qui as tué mon frère et mon père. Tu es mort, toi aussi. Et moi, j'ai le cœur en fête.
Tu entends, Hamza, le cœur en fête ! Je n'en ai pas encore fini avec toi. Je ne me contente pas de ta mort. Washi, ouvre-lui la poitrine. Déchire-le. Perdent une bataille, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en retournent chez eux et ils bêchent la terre avec encore plus d'ardeur. Ils sont démons. Je partage cet avis. Ça défie le bon sens. Ils ont perdu, mais ils ont l'air plus heureux. Ils disent que Dieu leur impose la défaite afin de mettre leur foi à l'épreuve. Eh oui. Ils combattent pour accéder au ciel. Ils obtiendront ce qu'ils veulent. Ils volent la Mecque. Ils auront la Mecque. Quand les étoiles scintilleront au grand jour. Ne les sous-estime pas trop. Je sais ce qu'il m'en a coûté. Pour eux, la Mecque représente plus que tout. C'est le lieu où Dieu a parlé à l'homme. La Mecque est le lieu pour lequel leurs âmes éprouvent une nostalgie. Cette année, ils vont en pèlerinage là-bas. Quoi? Et sans armes. Sans armes? Abou Sofiane va les massacrer aux portes du désert. Si comme eux, tu croyais en Dieu, il est bien possible d'échapper au massacre. Mais je partage ton avis. Ils n'y échapperont probablement pas. Ne répondez pas à la provocation, c'est ce qu'ils cherchent! Ne faites pas un geste!
La paix soit avec toi. A dit, celui qui adore Dieu doit renouveler le serment qu'il lui a prêté sous cet arbre. Envoyer quelqu'un d'autre. C'est Suel. Cela prouve qu'on peut parvenir à un accord avec eux. Mahomet, nous t'avons proposé des conditions pour qu'une trêve s'établisse entre toi-même et la Mecque. Je peux savoir si tu les as acceptées ? Qu'est-ce que ceci ? Il est écrit de par le nom de Dieu tout miséricordieux ? Qui est ce nouveau Dieu qui serait miséricordieux ? Moi, je ne le connais pas. Fais disparaître ça. Je ne peux accepter ce qui est écrit. Mahomet, le messager de Dieu. Si j'avais cru que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais jamais combattu. Mais donc, Mahomet, le fils d'Abdullah, en accord avec Suhail, le fils d'Amr, cela est plus positif. Du moins, je le conçois ainsi. Voilà, c'est mieux, oui. Bon, c'est convenu. Vous ne pourrez pas poursuivre votre pèlerinage. Vous devez faire demi-tour et retourner chez vous. Chez nous, c'est la Mecque. Toutefois, vous pourrez effectuer votre pèlerinage la prochaine année. Et seulement durant 3 jours, vous entrerez et ressortirez. Nous reconnaissons une trêve de 10 ans. Durant cette période, vous ne devrez attaquer aucune tribu, ni piller aucune caravane, ni assaillir aucun individu qui soit lié avec nous. Et vice-versa. Si vous attaquez l'un quelconque d'entre nous, cet accord s'annule. Et vice-versa. Est-ce que c'est clair ? Dix années de paix. Ce temps nous est indispensable.
et ce temps nous sera suffisant. Ces lettres de Mahomet, messager de Dieu, au souverain de ce monde, appellent le monde à l'islam, à Héraclius, empereur de Byzance, Kisra, empereur de Perse, Mucokis, patriarche d'Alexandrie. Dieu soit avec vous. Nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Celui qui saura se mettre au lit le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture. Et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Les peuples du livre sacré, les juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur testament doivent être respectés par tous. Car leur livre sacré leur vient également de Dieu. Vous ne devez pas considérer Mahomet comme supérieur à l'homme. Un jour, il ramassait des brindilles pour le feu. Laisse-moi faire, je lui ai dit. Pourquoi, a-t-il dit. Tu es le prophète de Dieu. Ce n'est pas à toi de t'échiner pour faire un feu. Alors il m'a regardé. Il a murmuré, Dieu n'aime pas celui qui se considère comme supérieur à son prochain. Alors je me suis allongé et je l'ai observé. Il s'est arrêté brusquement. Il s'est redressé de toute sa taille. Il s'est approché de moi. Oui, je suis le prophète de Dieu, a-t-il dit. Mais pourtant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Qu'il faut encore que je te suive? Non. C'est moi qui vais te suivre si tu m'acceptes. Je témoigne qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que Mahomet est son messager. Puisse Dieu me pardonner pour vous avoir combattu. L'islam efface tout ce qui s'est passé auparavant. Pardonne-moi de m'être présenté avec... Voici mes bijoux. Pour ce qu'ils peuvent valoir... Je les donne aux pauvres. Et je peux t'offrir aussi... Oui.
Tu fus le bras le plus implacable levé contre l'islam. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, je deviens le bras armé de Dieu. Oh, tout est très simple pour Dieu. Tout comme il peut donner la vie ou la mort, il crée les défaites ou les victoires. Il y a 2 ans, nous nous sommes vus battus quand nous avons dû signer cette trêve. Regardez-nous aujourd'hui. Nous volons de victoire en victoire dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi m'insulte-t-on ainsi? Je suis Abou Sofiane. J'ai droit à certains égards. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en trêve. Je suis venu parler à Mahomet. Où est-il? Il est dans la mosquée. Mahomet, nous n'avons pas rompu la trêve. Je suis venu pour te confirmer la trêve. Au nom de la Mecque. Mahomet, pourquoi ne me regardes-tu pas? Attends! Mahomet, ne t'en va pas. La trêve a été violée par des bandits, pas par nous! Il faisait nuit noire! Je suis venu ici pour témoigner qu'il faisait nuit noire! Barak! Barak, c'est ta cité. Houdaïfa, tu es de ma race. Plaide pour moi, je t'en prie, il faut me croire. Je suis la Mecque. Je suis le chef de la Mecque. Pourquoi m'insultez-vous ainsi? Parce que tu ne tiens pas ta promesse et que tu ne respectes pas ta parole. J'ai entendu ce que je n'aurais jamais imaginé. Abou Sofiane implorait pitié. Me faire surclasser. En réflexion. Et en manœuvre militaire par un pauvre berger. Tu as vu naître et s'épanouir sa religion à partir d'une paille. J'avais 7 pailles dans l'œil. Je n'ai rien pu voir. Dis à la Mecque que vos dieux ne sont plus rien, qu'il est inutile de résister à Dieu. Fais vite, car tous les hommes d'ici vont se lancer à ta poursuite. C'est toi qui as rompu la trêve. Thank you.
Avant la nuit, nous serons 10 000, venant de toutes les tribus. Tu es enfin là. Nous allons barricader les rues et nous battre dans nos maisons. C'est inutile. Ils sont des milliers et à chaque heure d'autres les rejoignent. Outre dégonflé. Une rentre, je te prie. Outre dégonflé. Tu te crois le chef de la Mecque. Allons, regarde-toi. Tu es brisé. Ils t'ont avalé, puis ils t'ont recraché. Est-ce que mon père et mon frère sont morts pour que mon mari s'enfuit ? Entre dans ton trou, va-t'en ! Nous ne pouvons résister. La Mecque est à eux. Ah non ! Ah non ! Non ! Nous allons camper ici pour la nuit. Je vois la Mecque, même au travers des montagnes. Il y a tant de feux que je ne peux pas les compter. Comme c'est beau. Quand nous les avons chassés de la Mecque, je ne me doutais pas qu'ils l'emporteraient avec eux. On peut sentir le pain qu'ils font cuire. Oui, cela signifie qu'ils n'ont pas l'intention de verser le sang. Enfin, je l'espère. Ils ne veulent pas que le sang tache leurs murs ou leurs portes. Je dois pouvoir marchander. Mène-moi près de lui. Alors, tu nous remets la cité ? Vous ne m'offrez pas de pain ? Cela sous-entend qu'il pourrait décider de me tuer ? Dis ce que tu es venu dire. J'ai aperçu vos feux. Les hommes qui s'y réchauffent. Et j'ai compris maintenant le pouvoir que tu exerces sur ces hommes. Nous ne pouvons résister plus longtemps, Mahomet. Alors, si tu es d'accord... Si tu oses te présenter ici et poser des conditions... Le temps n'est pas encore venu pour toi de reconnaître qui est vraiment le prophète. Mahomet, il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare
sans aucune contrainte. Qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. Ils arrivent ! Approchez-vous ! Ils arrivent de trois côtés ! Regardez ! Entrez chez vous ! Abritez-vous ! Mettez-vous à l'abri ! Nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofian est en sécurité. Tout aux alentours de la Kaaba est en sécurité. Il a en tout cas respecté sa parole. Aucune porte n'a été forcée. Il emporte les cœurs, non les murs. C'est une victoire perpétuelle. Je crains de sortir de la maison. Il le faut, Bourta. Nous devons nous montrer, Hind. Étions-nous tant dans l'erreur? Sur notre façon de vivre, oui. Nous étions dans l'erreur. Nous étions pris au piège de nos fautes.
Nos dieux nous étaient inférieurs. Regarde, le voilà. Il peut enfin entrer dans la Kaaba. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorez nul autre Dieu que Dieu et purifiez sa demeure. Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Bientôt, toute l'Arabie fut convertie. Non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'islam. Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Il lui restait à accomplir le dernier acte de sa prophétie, mettre le sceau à la religion.
Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Alors il répéta la dernière révélation du Coran, qui scellait la religion. Non les paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique. حي على الفلاح.